Journal d'Ange Callot numéro 10. On est le 10 juin 2021 et il est 9h41. Donc, aujourd'hui, je fais ce petit épisode de Journal d'Ange Callot pour, parce que c'est mon anniversaire et l'anniversaire de la chaîne. Donc, c'est un épisode spécial, encore une fois, du Journal d'Ange Callot. Déjà, pour parler en général, il n'y a pas vraiment de vidéo anniversaire, à part vous avez eu normalement, si j'ai bien géré ce matin, un épisode d'unboxing du contenu anniversaire que je me suis pris pour mon anniversaire. Donc, trois trucs Resident Evil 8 et un truc Resident Evil 4. Donc, le truc Resident Evil 4, vous devez le voir, je pense que c'est le truc rouge qu'il y a. Attendez, là, ici. Ici, ici, ici. Alors, j'arrive pas à calibrer mon doigt. Tout, 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 tout. Voilà, là, par là. Il y a un truc rouge, c'est le truc Resident Evil 4 que je suis pris pour mon anniversaire. Et dans la vitrine qui est juste là, voilà, la vitrine qui est juste là, du coup, c'est les trucs Resident Evil 8. Mais bon, voilà. Allez voir l'épisode d'unboxing si vous intéresse. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour cet épisode du journal d'Ange Callot, voilà, je vais faire comme je fais d'habitude. Je parle un peu de moi, un peu de tout ce qui se passe et tout. Donc, en général, je vais très bien. Mes quatre entre parenthèses sources de bonheur font leur taf. Donc mon chien, ma collègue, mon filleul et ma petite sœur internet sont toujours là pour moi, à mes côtés et tout. Voilà, la collection, je suis au milieu. Et du coup, avec ces nouveaux objets, du coup, ça me rend encore plus toute chose. Donc, voilà, je suis plutôt content et tout. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de mes 22 ans, parce que je suis né le 10 juin 1999. Et comme je vous ai dit, voilà, j'avais pas vraiment d'idée de vidéo anniversaire et tout. L'année dernière, j'ai fait une espèce de FAQ. Les autres années, j'avais fait deux, trois trucs. Voilà, parce que en fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de moi, mais aussi de la chaîne YouTube et tout. Que j'ai fait qui a 7 ans cette année, je crois que j'ai lancé le 10 juin 2014 avec le premier épisode de What is this? Qui était un format que j'avais bien fait à l'époque. C'est parce que je suis vite à tomber à court d'idées et tout. Voilà, donc je me suis dit, je vais faire un petit journal d'Ange Callot, ça faisait longtemps. En plus, c'est le numéro 10. Voilà, c'est la chose qui tombe très bien, c'est que c'est le numéro 10. Et le 10, c'est le chiffre de mon jour d'anniversaire, et c'est un chiffre que j'affectionne du coup un peu. On a tous un peu notre chiffre porte-bonheur, et moi du coup c'est le 10, parce que c'est ce jour-là. En général, quand j'avais mon argent de poche, c'était le 10, quand j'avais voilà, plusieurs choses se passaient le 10. Mon propriétaire, on caisse le chèque du loyer le 10. Voilà, donc le 10, ça a assez de signification pour moi. Donc c'est pour ça que le journal de ce qui est avec un chiffre 10, c'est quelque chose un peu qui m'intéresse. C'est pour ça que l'épisode 10 de Bienvenue dans Massive Room, c'était sur Carole Quintaine, un sujet de test sur Carole Quintaine, parce que j'étais à fond dans une période Carole Quintaine, Julien Chiez, mais Carole Quintaine, c'était une période où elle se faisait assez démonter de tous les côtés, les gens qui disaient qu'elle était qu'elle n'avait pas de quoi parler de jeux vidéo, machin comme ça, limite parce que c'est une femme, hein, les mentalités. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, c'est quelqu'un que j'apprécie quand même toujours beaucoup, Carole Quintaine, même si je suis moins son contenu. Et voilà, faire cette vidéo-là, du coup, ça me permettait un peu de parler d'elle, et puis c'était un peu un test pour les sujets de test, qui sont devenus maintenant les expériences rapport. Voilà. J'aurais dû peut-être faire une liste de ce que j'avais envie de parler, mais bon, voilà, je voulais juste faire un petit épisode comme ça, vite fait, pour parler de deux, trois trucs. Pour la chaîne YouTube, pour le moment, je suis en train d'écrire plein d'épisodes d'expérience rapport, surtout pour cet été, pour les tourner un peu en avance. Vous avez eu du coup les deux expériences sur il y en a une Steve Burnside et il y a eu Rodrigo Juanraval. Là qui vont arriver, il va y avoir les créatures du virus T. Veronica, la famille Hidalgo et le rapport sur les serpents sacrés. Après ça, du coup là j'aurai terminé tout ce qui est lié un peu au virus T. Veronica. Après ça, il me restera l'expérience Alan Drounet, l'expérience André Stickland, l'expérience Peter Walken et l'expérience Clancy Jarvis avec le rapport des Sewer Gators. Donc tout ça, c'est pour terminer un peu tout ce qui touche à Resident Evil 7.
Tout ça est déjà écrit, donc il me reste juste à tourner et monter. J'ai déjà commencé à écrire mes expériences rapports sur tout ce qui touche à Révélation 1. Donc il y aura une quinzaine de vidéos. Donc du coup, normalement, ça devrait me faire tout l'été, à deux par semaine. Normalement, ce sera une expérience rapport par semaine. Comme j'avais fait avec Resident Evil 7 et Resident Evil fin 2020, j'avais fait aussi pareil, expérience rapport par semaine. Et du coup, voilà. Donc cet été, normalement, vous devrez avoir des expériences rapport sur tout ce qui touche à Resident Evil Révélation 1. Donc du virus T-Abyss, créature du virus T-Abyss, à Quint Lumley. Ou Kiss Lumley, voilà, j'arrive jamais encore à me souvenir. Queen Ketchum, je crois, et Kiss Lumley, voilà, tout dans le genre. En passant par les Queens, donc Queen Zenobia, Semiramis et Queen Dido, le FBC, le BSA, Cliver O'Brien, Jessica Sherawat, Parker Luciani, voilà, tout ce qui touche à Révélation 1, normalement, ça sera tout cet été. Et après, bah, voilà, c'est. J'ai pas encore de trucs pour après concernant les expériences rapport parce que bah ça fait déjà beaucoup de boulot là. tout ce qui est info et rumeur, bah comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu d'info et rumeur semaine dernière parce qu'en fait je l'ai tourné. Mais mon PC ne reconnaissait plus mon téléphone, donc du coup j'ai pas pu récupérer ma vidéo dessus. Donc voilà, j'ai l'épisode toujours sur mon téléphone. J'ai eu un nouveau PC, mais je me suis dit, est-ce que ça sert vraiment de le sortir cet épisode-là ou pas? J'ai été tenté de le faire, mais je me suis dit non, parce que bon, il était pas foufou. Je vous parlais juste dedans de code pour le Resident Evil, pour des avatars PlayStation 4 et PlayStation 5 Resident Evil 8, donc deux Chris et une des 25 ans de Resident Evil, et l'autre c'était un thème PS4, voilà, donc deux choses à gagner comme ça, bien un truc. Si j'y pense, je vous mettrai le lien du tweet de Bayouzard France. Voilà, et au cas où vous savez où trouver normalement pour trouver où est le truc pour faire les deux quêtes. Alors normalement les quêtes c'est assez simple, la première quête pour les avatars, il faut répondre à la question quand est sorti pour Resident Evil, donc le 22 mars 96. Et la deuxième, faut regarder 30 secondes du showcase. Voilà, donc ça vous fait un petit lien, vous cliquez dessus, ça vous lance la vidéo. Et une fois que les 30 secondes sont passées, ça vous maquette finie et hop, ça vous donne un code que après vous pouvez rentrer sur votre console. Pour avoir du coup les trois avatars. Et concernant le thème PS4, c'est à peu près pareil. Donc la première, faut regarder 30 secondes. Donc c'est le trailer de lancement. Donc il fait 30 secondes. Donc faut regarder le trailer de lancement entier. Et le deuxième truc, vous avez un lien. Vous cliquez dessus. Ça vous ouvrira, si vous êtes sur ordi, ça vous ouvrira un nouvel onglet avec un lien pour acheter le jeu. Voilà. Donc vous attendez quelques secondes dessus. Vous fermez l'onglet. Et normalement, en revenant sur l'autre page. Du coup, ça vous dira, voilà, quête terminée, et hop, là aussi ça vous donnera un code pour télécharger le thème PS4, il est pas sur PS5 de ce que j'ai compris, Resident Evil 8, voilà. Et la deuxième petite info, du coup, c'était que Peter Fabiano quittait Capcom pour partir chez Bungie, ceux qui font les Destiny. Voilà, donc si je me suis dit, c'est pas un épisode foufou, et on n'apprend pas grand chose d'intéressant, donc voilà, je voyais pas le but de me le faire en montage et tout, donc... Voilà, j'ai pas fait. Fin de semaine, je sais pas s'il y en aura un ou pas. Au cas où s'il y en a pas, bah, il n'y en aura pas. Il y aura eu ces vidéos-là, il y aura les expériences rapports qui arrivent et tout. Donc voilà, c'est pas comme si non plus il n'y avait rien à voir sur la chaîne comme l'année dernière. Quand je me cantonnais à 2-3 formats et que j'avais rien d'autre à faire et tout. Voilà. Les autres trucs, alors comme si vous avez vu mon épisode d'unboxing anniversaire, je vous dis que normalement, courant juin, voire juillet, il y aura un nouvel épisode d'unboxing sur du Stuff Numskull que j'ai commandé courant février-mars, je crois. Normalement, il y aura beaucoup de choses, je crois qu'il y en a une dizaine à peu près de choses. Normalement, il y aura un épisode de l'inventaire qui sera sur la statuette de Léon Vendetta qui est ici. L'épisode est monté, il est prêt. Mais bon, voilà, vu que j'ai eu cet épisode d'unboxing anniversaire, je me suis dit je vais le repousser un peu. Mais bon. Je sais pas quand il sortira, peut-être autour du 15 juin, donc mardi, donc semaine prochaine techniquement. Voilà, à voir, parce que du coup si je retourne mon truc de Numskull, ça me ferait chier d'avoir deux unboxings la même semaine. Ce serait pas fou. Voilà. Et après, bah, concernant les autres formats, j'ai pas grand chose de prévu pour le moment. Resident Evil Verse et Reverse, normalement il y aura une petite vidéo un peu comme j'ai fait sur Resident Evil 8, donc toutes les infos et Reverse qu'on a eu pour le moment, qui est
écrite partiellement et tout, mais bon, j'attends d'avoir des nouvelles infos via la date de sortie du jeu, potentiellement, donc peut-être, je sais pas. Peut-être, je sais pas. si, concernant les affaires humaines, il y en aura potentiellement une semaine prochaine sûr, parce qu'il y a le 3 et le 14 juin, Capcom parlera de. Ils ont marqué de Resident Evil 8. Donc maintenant que le jeu est sorti, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir nous parler en E3. Potentiellement, comme je disais, peut-être la VR, peut-être un nouveau DLC, peut-être qu'ils ont vu qu'ils ont lié R-Verse et R8, bah, peut-être qu'ils vont juste nous dire voilà, des personnages de Resident Evil 8 seront dans R-Verse, point. Voilà, donc on sait pas encore ce qu'ils vont nous faire, mais bon voilà, je vais surveiller ça de proche lundi soir. On verra. Après, bah, j'ai pas d'autres choses vraiment de prévu concernant la chaîne. Si j'ai des idées, bah, ça popera, comme à chaque fois. Voilà. Là, vraiment de sûr, c'est les expériences rapports qui sont faites en partie. Là, comme je vous disais, celles qui sont liées au T-Véronica sont déjà écrites à 100%. Je crois même que j'ai fait les enregistrements juste de la partie voix off. Donc, il me restera juste à faire les tournages en tenue. Pour l'épisode de bien évidemment en général quoi. Et voilà. Donc ça m'a fait un peu chier d'avoir un problème d'ordi parce que voilà, je suis dans une, comme je vous disais la dernière fois, je suis dans une hype énorme de création de vidéos, là j'adore ça pour le moment. En partie grâce au retour que j'ai dessus, certains commentaires, certaines personnes qui m'en parlaient et tout. Les expériences rapports, bah, ça me permet de parler un peu de Resident Evil, déjà c'est juste ce que j'adore moi de base, parler de Resident Evil, d'apprendre des choses, de faire apprendre des choses. Et bah, du coup j'en parle avec les amis Golgotha et Wiper et ça bah, c'est quelque chose qui me fait très plaisir de parler avec eux, du coup de dire ah tiens il y a peut-être ça qu'on pourrait rajouter, de leur faire lire mes scripts pour qu'ils me disent ah tiens il y a peut-être ça que tu peux rajouter ou moi j'aurais peut-être mis ça, voilà. C'est pour ça que les expériences rapports c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. J'apprends max de trucs, notamment bah, avec les révélations, là je suis en train d'apprendre des trucs assez intéressants, que du coup vous découvrez. Voilà, donc concernant la chaîne YouTube, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour le moment. Je vous remercie parce qu'on est 111 abonnés. Bon, je sais qu'il y a des comptes fake parmi ça, mais du coup, techniquement, on est à plus de 100, je pense. Même si, voilà, y a, ça fait 20-30 vues. Sauf l'épisode Avis sur Resident Evil 8 qui a dépassé les 100 vues. Or là, j'ai pas du tout compris le pourquoi du comment. Plus de 100 vues sur cette vidéo-là. Mais je m'y attendais pas du tout, c'est une vidéo que j'ai faite, comme je vous ai dit, à chaud, même pas 10 minutes après que j'ai fini le jeu. Je suis allé dans ma save room à 3h du 3 ou 4h du matin pour y tourner. Et quand j'ai vu que les trucs ça montait en vue, je me suis dit, bah putain, le coquin, ça fonctionne. Donc voilà, concernant Resident Evil 3 Remake, elle avait pas fait autant de vues dans mes souvenirs, ça avait pas autant grimpé, donc. Alors que j'avais sorti le jour même. Et donc ça c'est tout pour la chaîne YouTube. Concernant ma vie, bah comme je vous dis, je vais très bien et tout. Voilà, c'est pour conclure, c'est pour ça que je répète un peu. Concernant ma vie, je vais très bien et tout. Un petit internet, je suis très content de l'avoir à mes côtés. Franchement, c'est mon plus beau cadeau. notre relation, ça fait vachement mon plus beau cadeau. C'est avant sa présence, je me sentais seul, je me sentais vide, j'avais rien à faire, je m'ennuyais, j'avais même pas envie de créer des vidéos, j'avais rien envie de faire et tout. Et depuis qu'elle est là, bah j'ai créé de la motivation, je suis heureux. Voilà, je sais qu'il y en a qui me disent non mais t'es tout le temps sur ton téléphone, tu peux être heureux, bah si, désolé. Je me sens vraiment très heureux de lui parler, de la savoir là. Là où je suis un peu moins heureux, c'est quand bah, elle est pas là. Mais bon, on peut pas être toujours là à 100%, on n'est pas non plus en couple, hein, c'est... ceux qui connaissent ça, bah, son âge, puis bon, bah, je l'appelle un peu petit internet, ça serait assez bizarre. Bref. Voilà, ensuite, bah, mon filleul, bah, on s'amuse ensemble et tout, on rigole, on joue dehors, on fait plein de trucs. Bah, là, pour mon anniversaire, je lui ai offert un cadeau. Logique. voilà, bah mon chien, bah pff, toujours ses plaques et tout, donc ça me fait un peu flic. Il a 8 ans en même temps, donc on est plus proche de la fin que le début, malheureusement. Voilà, chaque bonne chose arrive à une fin. Et concernant ma pièce, et ben des objets continuent d'arriver, j'ai quelques trucs qui me tentent par-ci par-là.
Voilà, avec je suis à 485 ou 86, je crois. Donc avec le skull, le stuff Numskull et avec le jeu de plateau Resident Evil 3 qui arrivera courant juin ou juillet, je devrais dépasser les 500 objets. Donc je suis assez content. Même si je suis pas là pour une course à objets, mais c'est quand même des chiffres assez symboliques, quoi, de passer quand même toujours un cap comme ça. Je me dis quand même qu'il y a 2 ans, j'étais à peine à 100 objets. Voilà, chaque année, je garde un petit, chaque 29 mars, je garde un petit PDF de où est en est ma collection, parce qu'à chaque fois que j'ai un objet, hop, je le rajoute, c'est comme ça que du coup, je sais le nombre d'objets que j'ai. Et chaque 29, je le crée en PDF, et du coup, après, je continue de mettre le truc de base à jour, mais du coup, j'ai au 29 mars 2019, au 29 mars 2020 et au 29 mars 2021, à combien était ma collection. C'est pour ça que je sais qu'il y a à peu près 2 ans, j'étais à entre 100 et 200 objets, et que là, du coup, bah, j'approche les 500, donc ça fait quand même pratiquement 400 objets en plus en 2 ans. C'est pas rien. On sent que les sous-sous, ça part. Après, bah, le problème, c'est le manque de place qui commence à se faire sentir. Voilà. Donc, c'était tout pour cet épisode de Journal d'Ange Calo pour aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je sais pas encore ce qui arrive. J'espère continuer un peu dans cette bonne vibe que j'ai depuis un moment. Techniquement, bah, tant que je perds pas ma petite sur internet, ça va être un très bon début pour continuer à être heureux. Après, bah, je remercie aussi tous ceux qui sont abonnés là. Je remercie à ceux qui viennent commenter régulièrement. Alors désolé, j'ai pas les noms, j'ai vraiment un problème pour retenir les noms. Je remercie tous ceux qui sont sur le Nest 10. Voilà, tous ceux qui sont en général sur Twitter avec qui je parle, l'ami Farren. Ça, j'arrive à retenir parce que bah, c'est un peu compliqué de le citer lui. Vu qu'il est pas sur le Nest 10, il est plus sur Twitter et on parle que par message maintenant. Voilà. Donc je remercie un peu tout le monde, tout mon entourage, tout ça, d'être là aussi, parce que certes je dis que j'ai 4 grosses sources de bonheur, mais bon, vous aussi vous aidez quand même, quand on rigole sur Nest 10, l'évoque qu'on a fait dernièrement, le bilan Resident Evil 8 sur le Nest 10, c'était quand même très bon, l'ami Wiper passé sur ses lives, tout comme ça, on rigole quand même bien en général. L'ami Farren, on rigole plutôt bien, DPC David, on parle bien sur Twitter, tout ça, donc des petites interactions comme ça, c'est toujours quelque chose qui me fait plaisir. Je pense notamment aussi à Distant Memories 1996, donc un américain qui est un peu lié à Residence of Evil, avec qui je parle depuis bientôt 2 ans, et qui s'est abonné dernièrement à ma chaîne YouTube. Je pense qu'il avait pas vu que j'en avais une. Oui, il s'est dit qu'il voit pas le but, vu que je suis français et que lui est anglais, il allait pas comprendre. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir comme ça d'avoir des petits abonnés comme ça. Et puis bah ceux qui viennent commenter tout ça, ceux qui me suivent un peu sur mon Twitter ou mon Instagram. Je pense à par exemple Mélissa, je crois qu'elle s'appelle, qui a une petite collection Resident Evil assez sympathique, franchement, et du coup bah, qu'on parle un peu quand on a des objets chacun de notre côté. Voilà. Ensuite, bah, je vous remercie un peu tous. Si vous êtes là, normalement, bah, si vous suivez un peu mon contenu, un minimum. Même si je sais que les épisodes de Journal d'Ange Calo, ce que je comprends pas, c'est qu'ils font beaucoup plus de vues que les autres trucs, qui sont plus travaillés que ça. Voilà, je comprends pas trop YouTube, donc moi, comme je dis, les vues, je m'en tamponne le coquillard, je suis là pour faire ce qui me plaît, pour faire ce que j'ai envie. C'est pour ça que je sais que des vidéos ont plu, certaines vidéos ont plu, mais que techniquement bah, il n'y aura pas d'épisode 2 ou autre comme ça, parce que bah moi j'ai pas d'idée et me forcer à faire un truc que j'ai pas forcément envie, bah c'est pas, j'ai pas envie. Donc c'est pour ça que les expériences rapport, je sais que c'est pas des trucs en général qui arrivent vraiment à beaucoup de vues, surtout les épisodes voix off, qui sont toujours à 0 vue certains, mais ça me plaît à moi, ça me permet d'apprendre, ça me permet de parler avec d'autres et tout, donc voilà. Donc on va terminer sur cette petite note là, voilà, je continuerai de faire ce que j'ai envie sur ma chaîne YouTube, je suis content, on se retrouve pour d'autres vidéos, tout ci, tout ça, voilà, donc c'est la fin de ce journal d'Ange Calo numéro 10, merci.